Allez, plongez, c'est très facile. Allez, n'ayez pas peur. Oui, il faut juste prendre de l'élan. Eh, hey, monsieur, faut y aller. Allez, sautez, monsieur. De cette hauteur-là, une chance d'avoir un accident. Si vous avez peur, faut pas le faire. Je crois que je vais plutôt prendre l'escalier. Salut mon cœur. J'avais envie de prendre l'air. Je désherbe un peu, il y en a besoin. Tu trouves pas? C'est chouette, hein, d'être dehors. C'est fantastique. Je voudrais qu'on reste comme ça toute la vie. Le CITO, oui. Le CITO est l'examen qui va vous permettre d'entrer au collège. C'est important. Mais on peut s'amuser. Mais monsieur, il n'y a pas besoin d'examen. Vous savez qu'on est de bons élèves. Ouais, vous avez qu'à simplement leur écrire une lettre. Ces jeunes sont assidus, ce sont pas des glandus. Alors votre examen, mettez-vous-le... dans le tiroir. Mais monsieur, c'est une rime en U. Aux invendus. Au rebut. À la rue. Au déjà vu. Chez les fous. Chez les poilus. Chez les vendus. Chez les fichus. Au perru. Chez les bourrus. Ça continue. Ça continue. Oui, la rime fonctionne aussi. Enfin, monsieur Kess. Je suis désolée d'avoir à le redire, mais vous faites autant de bruit que... que des ébus. C'est... Mais madame, c'est une rime en U. Tout rime avec tout, mais ça n'a aucun intérêt. Ah, le CITO. Très bien, monsieur Kess. Je vous félicite d'attaquer ce chantier. Il ne faut pas fléchir. Surtout que cette année, vous allez jouer la pièce de théâtre de l'école. Elle s'intitule « Laboureurs, meuniers et boulangers ». Je l'ai écrite. Et on y trouve tous les ressorts d'une œuvre passionnante. La profondeur, la vérité, une chanson et des blagues. Qu'entends-je bruisser là-bas, au loin? Serait-ce un vagabond dans le foin? Mais non, ce n'est que le vent violent. Voilà que mes oreilles me trompent. Et après, on découvre que le vagabond était caché. Bon. Et cerise sur le gâteau, vous allez vous produire dans un vrai et grand théâtre. À la fleur de l'âge. Chaque année, ils nous le prêtent, oui. Mais je vous préviens, c'est une maison de retraite. Les habitants ont besoin de repos, ils sont vieux et ils sont allergiques aux enfants gâtés. Interdit de crier, de galoper et aussi de cogner. Et aussi de cogner. Oui, c'est exact. C'est un lieu paisible, c'est une oasis féerique. Et parfois... Un instant. Allô, la direction, ne quittez pas. La fleur de l'âge, rue de la Poste, par là, tout droit, numéro 13, le théâtre est derrière le bâtiment, je vous rejoins. Oui, reprenons. C'est au sujet des sacs à poux que j'ai commandés. Ils ne sont toujours pas arrivés et la situation est extrêmement préoccupante. Alors, on y va? Oui.
La fleur de l'âge. On est arrivé. Ça craint. Oui, c'est encore la direction. On en est où avec les sacs à poux? C'est un cas d'extrême urgence. On fait l'école buissonnière, monsieur. Je suis plutôt d'accord. Je suis jamais allée dans une maison de retraite avec l'école où j'étais avant. C'était une chouette école, dis donc. Ce sont des gens comme vous et moi, les enfants. C'est juste... qu'ils sont plus vieux. Je pense que c'est par là. Hors de ma vue! Désolé, monsieur. Ça se reproduira plus. Je crois que c'est au fond du couloir. Ce serait un vrai théâtre. Alors, les enfants, je vois que vous avez trouvé. Quelle est votre impression? La scène, l'univers des planches, les épais rideaux, la créativité, hein? Vous sentez la présence des muses? Des muses? Elle veut dire musaraigne. Vous sentez les musaraignes? Non, 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 Sepp. Les muses, j'ai dit. L'inspiration, le pouvoir de la scène. Sentez, inspirez fort. Car tout ici respire le théâtre. Fabule labeur que les moissons, ensemble travaillons avec passion, main dans la main et tous de bon cœur. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, enfin? Madame Boncoeur, je suis ravie de vous revoir. Nous faisons la chanson finale que la classe doit répéter pour... Laboureur, meunier et boulanger, c'est ça, non? Oh, quelle mémoire vous avez! Ça y est, c'est reparti. Oui, Madame Jolt, qu'est-ce qui se passe? Vous allez encore jouer cette œuvre-là? Eh oui, les gens adorent, avec le meunier et son four. Les scènes d'amour? Non, Monsieur Sept, le meunier et son four. Oh! Laissons les enfants travailler, ils ont du pain sur la planche. Mettez vos costumes, ils sont au fond là-bas, derrière le décor. Bonne répétition. Et Monsieur Kess, vous faites la mise en scène. Les garçons, prenez-moi ça, allez. Fifée Vaurien, que viens-tu chipper dans mon honorable établissement? Ne serait-ce pas un moelleux petit pain à la cannelle avec de savoureux raisins qui dépasseraient de ta poche? C'est ce qui est écrit? Quand vos yeux droits et profonds s'abattent sur moi, je perds sur le champ tout désir de m'effaire et je... Il faut juste le temps de s'y habituer. Monsieur, regardez ça. On est ridicule. Ouais. Quoi? Vous allez pas me dire que vous avez déjà le trac? Thank you.
regardez comme ça brûle bien. Mais papa... Qui aurait cru que cette vieille cahute ferait de si grandes flammes, hein? C'était ma cabane. C'est vrai que j'y jouais moins souvent qu'avant, mais... Les cabanes, c'est pour les gamins. Tu es grand, maintenant. Grand? Eh oui, grand. Et la vie change. Yeeha! Pourquoi est-ce que la vie doit changer? Alors, de sitôt. C'est une étape importante et cruciale pour vous. Oui? Vous pensez qu'on est bien préparé? Oui, bien sûr. Nous avons vu tout ce qui était au programme. Et nous allons aller plus loin. Oui, on n'a qu'à imaginer un contrôle où tout le monde aurait 10. Oui, un 10. Pour le sitôt, il faut avoir plus de 120. Faut avoir 120, faut avoir 120, faut avoir 120. On s'entraîne avec les jumeaux, monsieur. Vous posez vos questions et ils nous donnent les réponses, mais en langage codé. Comme en langue des signes. En signaux de fumée. Ou en faisant des sons. Des bruits de paix, ça serait rigolo. Les enfants! Pas aujourd'hui. Chacun va faire ce contrôle. Mais vous allez vous munir de... de petites antisèches. Oh, monsieur! C'est vrai? Écrivez en tout petit. Pour en mettre plus. Ça, c'est pour vous. Mais monsieur, c'est pas autorisé d'avoir des antisèches quand même. Tiens, prends-en deux, toi. Les antisèches, c'est super utile. Notez tout ce que vous ne retenez pas. Écrivez tout petit et de façon très précise. C'est là, regarde cette phrase. Et quand vous avez fini, vous pliez votre feuille en deux. Et encore une fois. Et ensuite, vous la mettez... dans la bouche. Et vous l'avalez. C'est du papier qui se mange? Oui, et l'encre aussi. Monsieur, comment on fera pour s'en servir alors? Tu ne le feras pas, Fred, mais... si tu la manges, elle sera quand même un peu avec toi. Oh. Je suis sûr que vous allez tous réussir. Certain. Vas-y. Bravo, porte un beau plat. Belle poussée. Allez, allez, on plonge. On ne traîne pas. Ouais, magnifique, à toi. On plonge, Sepp. On plonge. Allez, Tobias. Hey, monsieur. Quoi, Tobias? Qu'est-ce que vous faites? Rien, je flotte. Ça m'aide à réfléchir. Je fais ça dans ma baignoire. Quand je dois me préparer pour un examen. Vous passez des examens? Oui. Et pas facile, d'ailleurs. Pour devenir maître d'école. Et ensuite? Je pourrais peut-être demeurer à l'école. Même quand vous l'aurez quitté. Oh. C'est pas si mal que ça, les enfants. Il y a même des passages sympas, assez amusants. Ouais, à condition de comprendre. Comme le moment où le vagabond se lie d'amitié avec le meunier et se rend à la fête des moissons. Non, monsieur. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, vous avez raison. Il y a un truc qui est amusant. Oui, c'est rigolo quand... En fait, qu'est-ce qui est drôle? Quand les souris volent le pain du boulanger. Ça serait bien si la pièce parlait de ça. Parlait de quoi? Des souris.
Bien évidemment, monsieur. Et elle ferait une grande fête. Mais ce serait un mariage parce qu'il y a deux souris qui sont amoureuses et elles veulent plein de choses à manger chez le boulanger. Et un soir de pleine lune, à minuit tout rond, les aliments tout à coup prennent vie. Il y a des tas de croissants, des fruits, des tartes aux fraises et des frites et un hot dog et ils n'ont pas envie qu'on les mange. Et donc ils se défendent et c'est comme ça qu'ils deviennent amis. Puis ils se débarrassent du boulanger et décident d'aller au mariage comme prévu. Mais ils font la fête et ils vivent heureux pour la vie entière. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, monsieur. Faut jouer ça. L'histoire de Lique, la fête des souris. Ouais, c'est mais bien ça. Que va dire Madame Dreus? Elle est l'auteur du texte. Oui. Mais ça parle quand même de musaraigne. Des muses, Sepp. Elle a dit des muses. Ah, c'est pas pour quelques lettres. Mais bien sûr! Quelques lettres de plus. Des lettres qui donnent le mot musarder, se promener dans l'œuvre. C'est autorisé au théâtre, non? C'est même indispensable, monsieur. Donc, nous ne changerons pas le texte, vous improviserez, et vous jouerez cette pièce depuis un autre point de vue, ouais. Voilà tout. Ouais. Mais monsieur, qu'est-ce qu'on fait des costumes? On peut utiliser tout ce qu'on trouve? On a déjà trop vu cette pièce des centaines de fois, alors vous pouvez y aller. Maintenant, on met du lait. Oh, oh. Un peu de sel. Comme ça? Oui, mélange. Et dans la poêle. Surveille la cuisson maintenant. Comment tu sais que j'adore l'omelette d'ailleurs? Je n'ai qu'une chose à dire, mes sacs à poux. Oui. Bonjour madame, ça ne va pas? Si, ça va très bien, je vous remercie. Alors, prêt à affronter l'épreuve? L'examen? Le quoi? Oh, ouais, je crois que ça va aller. Tu vas changer d'école, c'est super. Mais attends une seconde, Papa. Allez, juste une bouchée. Une bouchée, le petit déjeuner, c'est très important, c'est essentiel. C'est bon pour tout, pour le cerveau, pour la mémoire, ça aide à retenir. Tiens, allez, une cuillère. Papa. Tobias, t'en veux un petit peu? Des flocons d'avoine, c'est très bon. Oh, j'en veux pas, non.
Laisse-les tranquilles, ils sont sous tension. Il faut boire, il faut manger, c'est crucial. D'ailleurs, en parlant de ça, oh, j'ai failli oublier. Bonne chance, mon cœur. Toi aussi, Tobias. Merci, madame. Je compte sur vous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Tiens, une bouteille d'eau pour la... T'en fais pas, chérie. Tiens, je suis sûre que t'as oublié le tien. Non, c'est ton porte-bonheur. J'en ai pris une tonne. Bonjour. Salut. Salut. Dans un an, on n'aura plus Monsieur Kess. Il va falloir qu'on lui dise adieu. Après l'examen et le théâtre. C'est pas avant l'été? J'y pense déjà. Dans mon ancienne école, il y avait une fille qui a redoublé des tas de fois, tout ça parce qu'elle adorait sa maîtresse. C'est vrai? Ouais, et à 12 ans, elle était encore en maternelle. Arrête de te moquer de moi! Oh, et si on ratait? Comme ça, on n'aurait pas quitté Monsieur Kess. Ouais, très drôle. Prenez le temps de réfléchir. Rappelez-vous que vous avez du temps. Si vous Merci. Ne comprenez pas quelque chose, relisez l'énoncé. Et si jamais la réponse ne vient pas, pensez aux antisèches dans vos estomacs. D'accord? Ok. Trois. Deux. Hein? C'est parti! Tobias, perds pas ton temps. Monsieur, c'est super dur. Amène-le ici, Winston. Ici, s'il te plaît.
Voilà, comme ça. Ok. Ça, c'est dans la boulangerie. Oui. Mais vous trouvez pas que le lien entre nos conserves de panier de fruits? Ok, donc il va falloir un coup de main pour bouger le lit. Monsieur, la main va cogner? Non, non, ça va aller. Alors je fais quoi avec la main? Monsieur, perdez pas la main. Non, non, nous allons réussir haut la main. Alors là, Tim et Tom sortent du panier de fruits. Et la main du meunier entre en scène. Oui, c'est ça, la main du meunier entre. Tu peux y aller. Les souris s'enfuient et les mots se cachent dans le placard. La main plus à gauche et les souris, vous avancez. Et maintenant, le panier entre. Je note. Ensuite, les souris sortent et la main les poursuit. C'est très bien, la les garçons. La robe de mariée d'Asna. Oh, t'as raison. Où on en est avec la robe? Monsieur, il nous faut de l'aide. On n'y arrive pas. Mais vous connaissez une personne qui coud toute seule ses vêtements? Ah oui? Oui, elle est très gentille, elle a un gros chien et elle vous adore. Ma mère? Mais ma mère ne sait pas coudre. Monsieur, réfléchissez. Vous fricotez avec elle. Oh! Oui. Oui, vous devriez lui demander. Oui, monsieur, appelez-la. Ok. Cassie? Allô, Hé, hey, salut! Oui, Marie-Louise, bonjour. Je voulais te demander si t'avais envie de faire une robe de mariée. Cassie? T'es sûre? Oui. Oh, non! C'est pour la pièce de théâtre que je monte avec mes élèves. Il nous faut une mariée. Je n'ai rien contre l'idée elle-même. Ce n'est pas ce que je veux dire, c'est juste que... Tenez. Ah, merci. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Non, Cassie, Cassie. Cassie, tu m'entends? Des problèmes avec les filles? Oh. Non. Non, pas vraiment les filles, juste une seule. Une fille très chouette d'ailleurs. J'ai tendance à faire tout le temps des gaffes avec elle. Comment ça, des baffes? Non, c'est que je suis pas doué avec les mots. Oh, l'amour, c'est ça, mon gars. Tremblant comme un œuf, visqueux comme une moule et branlant comme un chameau. Ma mère dit que il faut que j'y aille et que je me mouille. Qu'il faut manger des nouilles? Non, sauter le pas, plonger, tête baissée. Oh, à la piscine? Ça me brancherait bien, ça, mon gars. J'adorerais retourner nager une fois. C'est super. Ah ouais? Ouais, mais on fait pas trop ça dans ce genre de maison de retraite. Et c'est bien dommage. Cet après-midi, on a piscine et on a besoin d'adultes pour surveiller. Ah ouais? Oui. Génial! Thank you.
patate. Ok, donc, hop. Voilà. Et ensuite? Ensuite, les souris viennent aider les aliments qui sont révoltés et ils deviennent amis, les souris, les fruits, les friandises, et tous ensemble, ils s'enfuient. Et ils découvrent un passage secret. Il y a un passage secret? Oui, ils le creusent eux-mêmes. C'est drôle, non? Ah. Druss! J'entends bien. C'est pas vous qui souffrez du problème. Moi, je travaille dans ces murs. Je vous rappelle. Ah. Alors, les enfants, je vous dérange? Non, on discutait du spectacle. Ah, le spectacle! Oh, j'ai hâte de voir ça. Vous devez vous amuser avec le meunier et le vagabond au moment où ils sont à la fête, coopèrent et unissent leurs forces à la fin. Ah, formidable! Mais je ne suis pas là pour ça. J'ai des nouvelles. D'excellentes nouvelles. Votre institutrice reprend le travail. Fantastique, non? Elle va beaucoup mieux, moralement surtout. Physiquement, elle est encore un peu fatiguée, mais ce n'est qu'une question de temps. Elle sera là demain, et la vie va reprendre comme avant. Aokyo? Et Monsieur Kess, alors? Monsieur Kess, oui. Oh, Monsieur Kess! Mais Monsieur Kess ne sera pas bien loin. Monsieur Kess? Bien. Bass, Tom, Yella, Yuna, Mara, Elena, Giovanni, Dali, Lisa. Et... Moi, c'est Michaela. Michaela. Salut. On a préparé une tarte aux pommes. Et un 4 quarts. Et un 4 quarts aussi. Comme ça, vous avez le choix. C'est gentil. D'accord. Allez, on vous laisse. D'accord. Et bonne journée. Merci. Sapé Tobias. Jour de votre maîtresse. Asseyez-vous. Bien. Miss San, on est ravis de vous revoir. Je vous souhaite un bon retour. Je vous souhaite bonne chance et bien du plaisir. Merci, madame. Je... Ah. Voilà. Je suis de retour. J'ai apporté... des photos d'un bébé. C'est John, mon petit garçon. Il est mignon comme tout. Tout petit, très gentil et très câlin. Bien. Commençons le cours. On va faire des maths, du calcul. Ouais! Bon, c'est page... Je crois que c'est page 39. Merci, Aokyo. Ok. Ah oui. C'est chouette, le calcul. Que devez-vous faire avec 15 et 3 pour obtenir 5? Tom. Tim. Tom, madame. Tom, oui. Il suffit de multiplier 15 et 3 par 10, on fait la somme des deux et on divise par 36. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Non. C'est beaucoup plus simple. Bon. Alors, je vais reprendre. Vous avez 15 et 3, que faut-il faire pour qu'il ne reste plus que 5 à la fin? Madame, on ne fait plus comme ça du tout. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Ok, mais ce n'est pas sorcier. Je sais.
15 moins 3, ça fait 12. Si on retire 7, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? 5. Et voilà. Mais ça ne règle pas la question. Oui, pourquoi ce calcul? On divise. Une division. Bien. Vous avez 15 et 3 et vous voulez obtenir 5. Pour ça, vous devez faire une division. Regardez en haut de la page 39, c'est expliqué. Et c'est très simple, il suffit de diviser. 15 divisé par 3, ça fait 5. Oui, Aokyo. Michaela, regarde-moi. C'est pas dur. 1, 2. Hop là. À vous. Très bien. Les uns après les autres. On continue. Mieux non. Surtout pas, Annika. Il faut de la banane. Il doit d'abord manger la purée sans banane et ensuite la compote à la banane. Tu crois qu'elle va aimer? La compote à la banane est dans un récipient jaune. Il la mange maintenant? Ce n'est pas du tout ce que je vous avais expliqué. Mais je ne comprends pas. Tout ce que je vois ici n'a rien à voir avec cette pièce. Mais si, bien sûr. Regardez page 13. C'est là. Les musaraignes volent un croissant chez le boulanger. Et quand l'horloge indique minuit, tous les aliments prennent vie. Les fraises, le morceau de fromage, le cornet de frites, la glace, la saucisse et les bananes. C'est nous les bananes. Ensuite, ils vont tous au mariage des musaraignes. On n'a pas encore la robe. Vous suivez? C'est une lecture différente. Ouais, des muses et des musaraignes. Basée sur l'improvisation. Ça fait partie du jeu d'acteur. Basée sur l'improvisation. Ça va, madame? Ok. On rentre tout de suite à l'école. On y va. En route. Allez. Mais enfin, non. Faut qu'on répète. Il faut que j'aille chez moi. Mais non. Non. Ça ne va pas du tout. Non, pas du tout. Pourriez-vous m'expliquer ce que signifient ces costumes? C'est pour le spectacle, Fred. Le spectacle? Notre œuvre? À moins que j'aie perdu la tête, je n'y ai pas mis de croissant. Et encore moins de bananes. En fait, on a légèrement changé des petites choses dans l'histoire. Changer? Votre œuvre? Oui, les enfants trouvaient que... les enfants trouvaient que c'était un peu ardu et il m'a semblé préférable de la laisser improviser pour éviter le trac. Improviser? Oui, je me suis dit que c'était bien de prendre en compte les idées qui venaient d'eux et qu'ils soient à l'aise. Qui venaient d'eux? Oui. Monsieur Case, les enfants ne peuvent pas connaître le théâtre. Seul un enseignant le connaît. Un vrai enseignant. Votre collègue est si choquée de ce que vous avez fait de ma pièce qu'elle a été victime d'une crise de nerfs. Oh non. Et elle ne reviendra sûrement plus. En tout cas, pas cette année. Ah. Oh oui, ce serait trop bien. Oh, mais je pourrais peut-être, pour le bien des enfants, évidemment, reprendre le travail avec ma classe. Avec votre classe, Monsieur Case. Ceci est votre nouvelle classe, la maternelle. C'est bien clair? Quant à l'autre classe, je m'en occupe jusqu'à la fin de l'année. Oh. Comme vous dites. Oh. Et vous avez tout intérêt à vous concentrer sur votre examen, parce que sachez que ce n'est pas gagné. Et ça, ça suffit maintenant. Il faut que ça cesse. Venez avec moi. Thank you.
Jusqu'à la fin de l'année. Et plus de Monsieur Kess. On aurait mieux fait de finir l'année avec lui. C'était plus logique. Maintenant, ce sera plus pareil. J'ai saboté l'examen. Exprès. Pour redoubler. Tu plaisantes? C'était pour rester avec lui. Et nous voilà avec Druss. Et c'est bien, c'est l'heure du football. Tiens. Vous êtes encore fourré dans cette cahute? Allez, c'est parti. Salut. T'en veux? Te voilà grand. Je suis pas si grand que ça. Le meunier. Que vois-je? Que me montrent mes yeux? Serait-ce un vagabond qui rôde dans ma grange? Chère Marie, ce n'est rien! La femme du meunier. N'ayez crainte! Calmez cette frayeur! Ce jeune vagabond ne nous veut aucun mal! Je vous en conjure, meunier! Soyez miséricordieux! Je ne vous demande que du pain! Juste un petit morceau! Chère Marie! Non! Ma fureur est à son comble! Ce vagabond mérite d'être sévèrement puni! Chère Marie, ayez pitié! Pitié, meunier, pitié! Non, dans le four, vaurien, dans le four, voilà! Le four, le four! Oh! Viens par ici! Allez, allez, voilà! Dans le four! Oh, 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 oh non! Oh! Chère Marie, non, non, pitié! Oh! La femme du meunier. Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! Et les ailes du moulin s'en mettent tout. Et voilà. À vous de jouer. Page 1, allez, prenez vos ouvrages. L'instant est venu, jeunes gens, de vous communiquer les résultats obtenus à l'examen. Ouais, venez les chercher. Ah. Deux à la fois. Oh, oui. Oh, trop bien. Super. Oh, qu'est-ce que je pensais? Moi, j'ai plus que je pensais. Je l'ai réussi. Merci, madame. Merci. Merci. Combien? Alors? Tobias. Tu sais ce que ça veut dire? Ces piteux résultats. Oui, madame Druss.
Regarde, tourte aux pommes et crème fouettée. Les pommes, c'est plein de vitamines. C'est excellent pour la croissance. Oh. Casey est très bon à Dieu. Mais je suis meilleure que lui. Cet après-midi, il passe son diplôme. Ces derniers temps, il ne se nourrit que de papier plié en quatre. Harley a besoin de se dégourdir un peu. Casey serait content si vous alliez tous les deux le prendre à la sortie de l'école. C'est vrai? Tu crois pas, toi? Allez. Je vous en conjure, Renée, soyez miséricordieux. Je ne vous demande que du pain, juste un petit morceau. Non, ma fureur est à son camp. Bon, Monsieur Kess. Casey. Bonjour. Bonjour. Oh, pardon. Hé, hey, Harley. Où est-ce que tu sors? Peu importe. Allez, viens. Harley. Maman. Ça va pas? Je me repose, c'est tout. Oh. Tu vas venir voir la pièce? J'en sais rien. Peut-être. On verra mon ange, ok? C'est pas grave, maman, de toute façon. Ça va être nul, alors. Bien. Installez-vous. Entrez. Bon, prenez vos livres de mathématiques et commencez à lire la prochaine leçon. Et moi, je vais éteindre un incendie. Madame Bruce, on ne veut pas répéter aujourd'hui. Répétition, exact. Tout le monde dehors. Mettez vos manteaux, attendez dans la cour, j'ai quelque chose à faire. On lui propose? Monsieur Kess, vous devriez prendre une bonne tasse de café d'abord. Un petit gâteau dans ce cas? Ça va aller. Non, c'est pas la peine.
Monsieur Kess. Monsieur Kess. C'est une infection. Oui, je sais, Madame Druss. Ces mamans vont s'occuper des poux après le café. J'aurais voulu que vous preniez votre classe. La classe ? Oui, oui, oui. Emmenez-les jusqu'au théâtre. Faites-les répéter sur scène. Faites-leur étudier le texte authentique. Mon texte. Restez-y fidèles. Oui, oui. Restez fidèles. Gardez-vous d'improviser. Quant à moi, j'ai plein de choses en tête. Oh. Oui. Une fuite au sous-sol. Ah oui, il y a une fuite ? C'est cela, dans les combles. Allez, filez, filez. Les mamans se débrouilleront sans vous. Ils vous attendent. Le pire, c'est quoi ? Les cours ou le théâtre avec Druss ? C'est la même torture. Non, ça dépend si elle chante. Qui doit chanter ? Oh, monsieur ! Vous êtes de retour ! C'est juste pour cette fois. Oh. Je devais passer le peigne à Pou, mais... Druss m'a demandé de répéter avec vous. On doit travailler son texte à tous les coups. Oui, mais on peut néanmoins s'amuser. Venez ! Boulanger, est-ce votre femme ou est-ce votre fille ? La direction, bonjour. Oui, trop tard. Ces fichus sacs à poux se sont trop fait attendre. Pas de quoi, merci. Directrice a détruit les costumes. Non. Que dites-vous là ? Tous les costumes ? Fichus en l'air ? Oui. Ce spectacle n'existera pas. On ne peut plus le faire. Oh. Je suis content de vous voir, en tout cas. Il faut que je la rejoigne. Au revoir. D'accord. Au revoir. Bon courage. Ça va ? Monsieur, vous faites quoi face à un vrai problème ? Un vrai problème ? J'en sais rien. Je me dis, il faut attendre, je verrai bien. Je verrai bien. C'est ça. Tu te sens mieux ? Parfois, on se fait une montagne des choses, on s'inquiète alors que... C'est rien. Les problèmes, c'est comme les crâneurs. Ils passent pour plus importants qu'ils ne sont en vérité, hein ? Comme une illusion ? Oui. Monsieur, j'ai foiré exprès mon examen. Oh. Ça, c'est un vrai problème. Ouais. Viens.
Madame Druss. Monsieur Kess. Madame Druss. Je ne suis pas disponible. Désolée, ça ne peut pas attendre. Ça concerne Tobias. Oh oui, ces résultats horribles. Vilain travail. Non, c'est une méprise. Tobias l'a fait exprès pour redoubler l'année prochaine. Pour pouvoir rester dans ma classe. Louper exprès? Oui. Est-ce qu'il pourrait leur faire pour réparer cette erreur? Non, on ne passe cet examen qu'une fois. Voilà, c'est la règle du jeu. Mais on peut sans doute faire une exception à la règle. Je sais très bien que Tobias va l'avoir, je connais le niveau de mes élèves. Tobias a eu peur à l'idée de devoir aborder cette nouvelle étape de sa vie. Laissons-le réessayer pour oublier cette bêtise. J'apprécie vraiment cette énergie pour défendre ainsi vos élèves. Oui. Apparemment, vous savez de quoi vous parlez. Dire que j'ai raté, c'est pas compliqué. Je pourrais dire que j'ai eu un trou de mémoire et que mon chien a mangé les résultats. T'as jamais eu de chien, toi? Bah, je dirais que c'est ma sœur. Regarde ce que ton père a acheté. Ah, salut les garçons. Ah, bon. Tant pis. Je vous présente votre nouvelle cahute. Je sais qu'elle n'est pas aussi chouette que l'ancienne, mais disons que c'est un compromis. C'est super. Moi, je trouve ça plutôt cool comme compromis. Vous allez rester là longtemps. Venez, entrez. Voilà, elle va rester à cet endroit et vous viendrez jouer quand vous voudrez. Hein? Et à propos de cette histoire de devenir grand, il n'y a pas d'urgence, les gars. Vous savez quoi? Cette question de la jeunesse, j'y ai beaucoup réfléchi. Être jeune, c'est la nouvelle façon de vieillir. Ouais, donc je redeviens jeune. Je redeviens jeune, je retrouve ma jeunesse. Jeune et beau et hop là, ça va tenir. Tobias! Monsieur? Plus de vrais problèmes. Et pas d'échecs. C'est vrai? Oui, Druss accepte que tu repasses l'examen demain. Refais tout? Oui. Et tu sais quoi? Je reprends la classe. C'est vrai? Oui. Elle est venue? Non. Alors, vous vous sentez prêt? On a l'air idiot comme ça. Si on annulait la pièce, monsieur. Ouais, c'est nul. Oui, ouais, on peut annuler. Oui.
Fort heureusement, ça aurait été le bonnet de la carotte. Attention, les volets de souris. Les gens, attention les souris. Avancez, ici les souris. Merci, monsieur. Tiens, oui, c'est trop gentil, merci. Monsieur, et la mariée? Oh, Marie-Louise! Ah oui, je... Mesdames et messieurs, bienvenue au grand spectacle annuel de l'école. Une tradition ici. Cette année, c'est la classe de Monsieur Pess qui va interpréter cette œuvre que vous appréciez. Monsieur, la robe. Marie-Louise est en route. Va vite enfiler ton costume. D'accord. Comme je disais, nous vous présentons la pièce tant attendue que vous connaissez bien, écrite par... non. Votre œuvre préférée. Voici donc Laboureur, meunier et boulanger. Oups. Mesdames et messieurs, voici l'histoire des souris. Marie-Louise, on est bientôt à la fin du spectacle et on aurait besoin de la robe au plus vite parce que, en fait, dans la scène finale, on a... Marie-Louise. Tu es ravissante comme ça. Monsieur, la robe. Oui, pour Asna. Pour Asna? Monsieur, les mariés doivent entrer tout de suite. Tout de suite? Mais comment? On va pas avoir le temps, on échange avec eux. Monsieur, prenez ma place. Cette fois, c'est à votre tour d'improviser. Ah oui? Ouais. Vite, mettez ça. Ce sont tes résultats. L'examen, je voulais t'en parler. Eh bien, je dois te féliciter. C'est vrai? Oui. Cassie? Donne-moi ça.
Je vous déclare unis par les liens du mariage. Il faut embrasser la souris. Zoals hij is er geen één. En daarom is het tussen nummer één. En de juf floors al zijn.